Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois deux jeunes gens pleins de talent et qui vont se présenter eux-mêmes. Bonjour mademoiselle. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ruta et je fais partie des artistes qui vont faire l'exposition pour les dessinateurs du Fénois, donc l'association que nous représentons. Voilà, donc moi je suis Daniel et je suis chargé de communication pour l'association. Voilà, et Daniel que je connais parce qu'il va me servir, il va jouer dans notre film sur Shim Sokoum, tu vois, le monde est petit. Alors Daniel, est-ce que toi tu dessines ? Je dessinais quand j'étais au lycée et puis j'ai continué un petit peu à dessiner à côté, mais je ne fais pas des dessins professionnels. Voilà. Donc là, tu es là en tant que... Tu vas exposer ou pas ? Non, je n'expose pas du tout. Et en fait, je suis là pour représenter les artistes qui ne peuvent pas venir ou qui sont un petit peu timides de venir devant les médias. Voilà, donc tu es leur chargée de communication. Voilà. C'est bien ça. Voilà, j'ai mis l'étiquette. C'est ça. Et toi, Ruta ? Alors moi, je fais partie des artistes qui vont exposer. Je ne vis malheureusement pas de mon art. Mais comme beaucoup de gens, a priori... D'où l'utilité, justement, d'où la nécessité d'exposer pour pouvoir nous faire connaître. Vu qu'on est, il y a des amateurs comme il y a des professionnels déjà dans l'association. Et donc voilà, donc je suis vraiment excitée de pouvoir participer à cette première exposition qui se tiendra tout à l'heure. Oui, parce que je regarde, il y a pas mal... c'est assez mixte, hein, ouais. Comme... Il y a des gens de toute culture dessinatrice, si je puis dire, parce qu'il y a un peu tout, il y a des mangas, ouais. Il y a du classique, je vois une jolie paire de fesses, ah c'est bien, il y en a qui vont se précipiter. Et qui a eu l'idée de ce collectif ? Celui qui a eu l'idée de ce collectif, c'est Sébastien Bousquet. En arrivant ici au Fénois, justement, il a découvert qu'il y avait pas mal de talents dans le dessin. Et il s'est dit que ça serait bien de créer une association justement pour tous les regrouper. Oui, parce que c'est pas évident de trouver des lieux de... oui, d'exposition. Alors, où est-ce que vous allez exposer ? Nous allons exposer à la Galerie des Tropiques à partir de ce soir. Notre vernissage est à 18h. Donc vous êtes un peu nerveux là. Oui. On est nerveux, excités, impatients, voilà. On espère qu'il y aura quand même du monde. Bah écoutez, je viendrai moi, 18h. Avec plaisir. Est-ce que vous êtes assez nombreux ou trop nombreux ? Comment ça se passe ? Dans l'association, on est à peu près 30 adhérents. Mmh, ouais. Et dans l'exposition, on est environ 12 en fait, exposants. Oui, alors pourquoi il n'y a pas tout le monde ? C'est suivant l'emploi du temps de chacun et puis les délais qu'on avait imposés aussi pour amener certaines œuvres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a pu justement participer à l'expo. Voilà, pour une première fois, on va dire, on s'est débrouillé comme on a pu. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se sentaient peut-être aussi pas prêts. Pour faire une exposition, mais je pense puis qui ont dit aux autres, bah, allez devant, oui, là, voilà. on vous met devant, c'est facile, mais allez-vous, hein? Voilà, c'est ça. On verra déjà comment ça va se passer sur le terrain avec vous, et puis après peut-être qu'on vous rejoindra pour les prochaines expositions. Logique. Alors toi, qu'est-ce que tu fais comme genre de dessin, Ruta? Alors moi, je peins surtout, je fais de la peinture. Ce qui m'inspire vraiment énormément, ce sont les contes et les légendes polynésiennes. Donc j'aime bien recueillir en fait les différentes légendes tahitiennes pour ensuite les interpréter à ma manière, tout simplement. Et surtout beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai que je dessine plutôt le corps féminin. Je dirais que le masculin, pour le moment, je suis pas à l'aise. Voilà, je préfère en fait les courbes féminines qui sont plus sensuelles, plus rondes, plus. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Voilà, tu te laisses plus facilement aller. Exactement. Mais en général, c'est vrai que les femmes sont plus souvent représentées. Oui. Ah. Oui, surtout pour ce enfin, qui bon, est... Enfin bon, dévier aussi, hein, parce que après quand on se regarde, on... Ah, c'est pas pareil. C'est sûr. Voilà. Et c'était comment de pouvoir rentrer dans ce collectif ? C'est un peu rigide ? En fait, c'est gratuit. Tout le monde peut y adhérer gratuitement. Tu ne payes pas de cotisation et c'est totalement bénévole. Voilà, c'est vraiment une association... Voilà, et c'est ouvert à tous ? C'est-à-dire oui, que quelqu'un qui fait un tétard, un bonhomme tétard... Ça... Il peut adhérer, voilà. Oui. Il peut adhérer, après je dirais qu'on a quand même tous notre style différent, on a tous notre identité artistique entre guillemets de prononcer, mais oui on accueille vraiment tout le monde. Et est-ce que ça a été compliqué de trouver un lieu d'exposition ? Ici à Tahiti ça a été assez facile en fait parce que Sébastien est justement allé à la Galerie des Tropiques
pour leur demander si on pouvait exposer. Et ils ont tout de suite adhéré en voyant justement les œuvres qu'on avait pour cette exposition. Oui, c'est bien parce que c'est une ouverture pour les jeunes, parce que la moyenne d'âge quand même, c'est jeune. Hein? Oui, je dirais quand même entre... Ouais, entre 25 et... Et plus. Ouais, et plus, voilà. J'aime bien le « et plus voilà. ». Il y a des gens qui ne veulent pas donner leur nom. C'est les femmes, alors. Non, c'est sympa parce que, bon, il y a surtout des noms qu'on retrouve. Hein. Oui, voilà. Ah, voilà, des gens qui... Il y a Paré, il y a Kronos. Voilà. Donc, Sébastien, notre président, Sébastien ouais. Bousquet. Ah, Requin Rouge, lui. Il est branché Sioux, tout ça. C'est bien aussi. Ça donne vraiment envie parce que je vois là un Tiki revu et corrigé. Il y a de tout. Et voilà, donc le thème en fait de notre exposition, c'est... Les mythes à la sauce polynésienne. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est... Et on voit que c'est une bonne sauce wasabi aussi parce qu'il y a les mangas aussi hein, oui, qu'on n'a pas oublié. Qui est très influencé... Après, on a grandi avec les mangas, donc on est influencé ouais. depuis notre enfance. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même de l'approprier à notre style. Voilà. Bah oui, parce que je trouve qu'il y a des bons travails de clair-obscur aussi. On voit qu'il y a des gens qui ont travaillé. Et vous avez... certains ont suivi des études de... Oui, il y en a qui ont suivi des études, justement, comme Anthony. Ouais. Donc c'est lui. Qui a fait, justement, Jeanne d'Arc revisiter, justement, à la polynésienne. Nous avons d'autres artistes aussi, mais voilà, donc qui sont autodidactes. Oui. Comme Requin Rouge, par exemple, il a appris tout seul, et puis au fur et à mesure, il s'est amélioré, et puis il fait de super dessins aussi. Voilà, alors on va pas citer tous les sponsors qui vous ont accompagné parce qu'on a peur d'en oublier. Oui, bien sûr. Mais ils sont sur l'affiche. Oui. Et vous avez un beau dépliant, là. Oui. Donc je suppose que là aussi, il y a une main généreuse qui vous a aidé. Oui. On a vraiment eu beaucoup de chance jusqu'à présent pour qu'on nous sponsorise, pour faire en sorte que cette exposition ait lieu. Donc on est très contents. Voilà, donc et on les remercie. Donc ce soir, 18h, à la Galerie des Tropiques, est-ce que c'est en vente, les productions? Oui, on vend les œuvres qu'on expose. Voilà. Voilà, donc venez nous voir. Voilà. Venez nous voir avec le portefeuille, avec la carte. Puis on verra ce qui vous plaît. Et puis si vous voulez repartir avec un souvenir, il n'y a pas de souci. Bien, mais en tout cas, c'est une réelle rencontre. Ouais. Et c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui se lancent aussi, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui exposent. Bravo. Merci. Merci. Merci de nous recevoir, surtout. Ah, ben avec plaisir. Alors, merci Daniel, à bientôt. Oui, à bientôt. Et Ruta, à bientôt aussi, peut-être. À bientôt, peut-être. Merci. Merci. Just kiss you if it's alright.